L'animalité de l'être humain. Première partie. L'être humain, cet animal. Introduction. Tehillim, psaume, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. La parole déclare que l'être humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants est heureux. Or de nos jours, une grande confusion règne quant à ce qui est susceptible de nous rendre heureux. On s'imagine qu'il s'agit de la richesse matérielle et financière. Pourtant, le bonheur ne peut être acheté. Car il ne concerne que l'homme qui marche selon le conseil d'Élohim. De quel être humain s'agit-il ici? Les Écritures nous en présentent trois types, que Paulos décrit au chapitre 2 et 3 de sa première épître aux Corinthiens, l'être humain animal, l'être humain charnel et l'être humain spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Machia. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Et moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Machia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Machia. Une personne est donc constituée de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Chaque individu est dominé par un aspect de son être. Ainsi l'être humain spirituel est guidé par son esprit à travers lequel il reçoit les indications de l'esprit d'Élohim. Il possède la maîtrise de son corps et de son âme. Tandis que les êtres humains animaux et charnels, quant à eux, sont gouvernés par leur âme et par leur corps.